m'appelle Alioum, arbitre international camerounais. J'ai 32 ans, je suis arbitre international depuis 2008. Oui, j'ai été d'abord un footballeur. Donc, après avoir eu un mal, donc j'ai arrêté le football et j'ai décidé d'être arbitre. Oui, pour moi, c'est vraiment une très, très grande préparation parce que c'est une préparation qui a débuté depuis 2 ans aujourd'hui. Nous continuons toujours à travailler et c'est un travail qui après ce travail, nous allons arriver en Coupe du Monde dans de bonnes conditions. Oui, pour moi, c'est vraiment c'est un souhait. C'est un souhait pour tout un arbitre international d'arriver au niveau de la Coupe du Monde. Si aujourd'hui on arrive au niveau de la Coupe du Monde, c'est pour aller faire le meilleur de nous-mêmes, avec le travail qu'on est en train de fournir. Au fait, je voudrais dire vraiment à mes collègues arbitres, à tous mes collègues, à tous mes petits frères qui me suivent aujourd'hui, d'un peu de patience. L'arbitrage, c'est la patience. Et c'est vraiment, c'est un métier. Je peux dire que l'arbitrage, c'est un métier. Particulièrement, à part l'arbitrage, j'aime trop aussi jouer au handball. Ouais, je suis un bon handballeur. J'ai été depuis le bas âge, à l'école primaire, j'ai joué au handball. Donc chaque fois quand je n'ai rien à faire, je pars au niveau de l'université, qui n'est pas très loin de chez moi, et je joue au hand. Donc c'est ma diversion. Okay, sinon, je suis de l'armée de l'air camerounais.